Hey yo, hey yo, hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le 35e épisode de The Elder Scrolls Online. Je vous balance l'intro, envoie le programme, on se retrouve après. Allez. Ya, ya, ya. Mikey Minaj, double zéro. Alors, avant de commencer, je vais faire mes 4 quêtes habituelles. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch, ou les deux si vous voulez, hein, pour ceux qui ne sont pas déjà. Hein, si vous retrouvez les lives de manière permanente sur YouTube, ou si vous voulez carrément me voir en direct sur Twitch, hein, c'est à vous de choisir, c'est à votre guise, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de profiter aussi des espaces commentaires qui vous sont destinés, que ce soit pour ajouter ou consulter d'anciens commentaires. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur le direct live de Twitch, hein, c'est à votre convenance, comme vous préférez. Hein, j'ai une requête, c'est n'oubliez pas de continuer à partager les vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, hein, à tous ceux qui le font et ceux qui le font aussi sur la chaîne Twitch. Vous êtes des rois, c'est grâce à vous que la chaîne croît et continue de croître autant. Je vous remercie, je vous suis vraiment reconnaissant, vraiment, je vais répéter à chaque fois. Alors, j'ai une dernière requête. Ça sera que pour ceux qui sont sur YouTube. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce, votre pouce vers le haut, votre like, votre j'aime, votre j'adore, si il n'y a que Dieu que l'on adore. Alors, je pense que peut-être le jeu a bugué. Ah non, c'est bon. Alors. Je regarde la façon dont se comportent les masculatrices. Et cette femme sait se battre. On commence par nos délits. Nos délits, bon, c'est la dernière, hein, pour blinder ISO. J'ai toujours su que Là, vous auriez hop, des bons. hop, Je veux. hop. Et après, ce qu'on va faire, donc on va déjà partir vers la Glénoubrie. Bien évidemment, avec un petit détour par Vanderfell. Et après, on va continuer, hein, notre aventure sur les éboulis. Il ne nous reste pas grand-chose à faire. On avait fait tous les donjons, je crois. Il nous restait un peu de story à faire. Donc, on va aller faire tout ça. On en a pour 2 secondes. Alors, d'abord Vanderfell. Pourquoi? Vous allez voir. Commence toujours par les délires. Après, comme ça c'est réglé. On est tranquille, plus besoin d'y penser. Et au moins, les chronos sont lancés. Oh, petit lag, ça arrive. Alors, déjà, quand on sort, il y a Drell Tandel pour augmenter la vigue de notre cher ami Yamaha qui nous emmène depuis les débuts, hein, sur toutes les routes. Ensuite, on se présente aux différents postes pour relancer les recherches. Alors là, cette recherche, je sais pas, ça dure combien de temps de recherche. Alors là, on en a encore pour, je sais même pas combien de temps. Alors non, on cherche pas là-dessus. Toc toc. Ah, elle est là. On en a encore pour un jour. Bon, celle-ci, on laisse tomber. Je crois que ici, on peut en lancer une. Recherche. Alors, au niveau des armes, on s'en fiche pour le moment. Faire ça sur les grèves. Alors, voilà, donc là c'est sur 2 jours. Pareil, la recherche du bois, je crois qu'il y a rien, y a rien. Je crois que c'est rare que je drop des arcs, et en plus on est sur, ah ouais, du 2 jours encore. On peut y aller. Tout est bon. Tout est bon. Toto bene. Maintenant, on va à la Glénoumbrie. Ici. D'ailleurs, là, on va voir où est-ce qu'on en est niveau Glénoumbrie. On va s'y intéresser un peu plus tard. La Glénoumbrie, on n'y est pas encore.
On est sur un donjon déjà réalisé. On va l'expédier en 2 secondes. Dans la bonne direction, je le sens. Juste ici. Alors je crois que j'ai avalé une potion, sans le vouloir. Alors. On est parti par là. Là, on a juste allé voir le boss, récupérer les bails, donc on prend à gauche. Bon, je pense qu'il va falloir quand même tuer des poteaux. Pour récupérer. Bon, trésor de famille, non. Alors. On dirait que je vais devoir me balader un peu. C'est pas grave. Ah, quand même. Il est où l'autre? Je crois qu'elle l'a tué. Iso a fait le taf. Et je pense qu'elle a eu, elle a des moments de vengeance, hein, sur le fait que je la regarde faire. Là, littéralement carbonisé. Ah, c'était le chef. Bon, elle se l'est faite toute seule. Ok, encore une dizaine et on s'arrache. Oh, il a disparu. Allez sur ses flancs. Ah, et encore quelqu'un? Ah oui. Pas ça que je voulais faire, mais bon. Ouah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était. Des ressources. Parler à la garde d'accident près du manoir. Voilà, là on va retourner auprès de Borgrill. On reviendra pour faire cette quête là. Je pense qu'un jour, un jour prochain, je serais bien content de la trouver. J'ai pas envie qu'il me dérange pendant le TP. Donc du coup, je préfère me les faire. Alors le bois de gratte. Toc. Parti. Comme ça, on règle ça rapidement. Aujourd'hui, Iso sera à fond de sa relation. Vous vous rendez compte? Des dragons? Chez vous? Qu'allez-vous faire? Je l'ignore, mais j'espère que la famille a fort été à l'aise. Je suis trompé de sorte. Évidemment, ça arrive. J'étais pas concentré. Wow. Vous avez vu ce slide? 0 dégâts. Moi-même, je suis surpris. Regardez les gens qui passent à l'enclave. C'est toujours intéressant. On voit vraiment de. Et voilà le Borgrill. Je me demande quel est l'antre préféré de Borgrill. Nous devrions lui demander. Il lui reste encore 32. 32.
Ouais, ça va le faire. J'ai raison. Non. Un dragon ! Un dragon ! Cachez-vous ! Voilà. Un dragon ! Ici ! Je dirais ça. Je vais filer. Ah, il est là. Il n'arrive jamais à savoir par où il passe après. Parce qu'il vient là. Après, c'est impossible de le follow. Le bail. Et après, il va s'envoler. Allez. Putain, j'ai stompé. J'ai stompé. Et voilà, j'ai perdu de vue. Comme d'hab, je vous dis, il est unfollowable. On l'entend, hein. Après, impossible de le revoir. Allez, hop. Bon. Alors on est reparti, on était sur... Oh là, impossible. Hein. On était sur les éboulis. Est-ce qu'il y a quelqu'un aux éboulis? Oui, c'est parti. Alors, où sommes-nous sur la carte? On est là. Donc, il nous restait quoi à faire? Il nous restait les quêtes de Davon. Attendez, excusez-moi. Alors, je crois qu'on n'avait pas trouvé les quêtes qui finissaient ça. Donc, on va peut-être s'intéresser aux autres quêtes, vérifier le passé. Là, on n'avait pas pu débloquer encore. Je pense qu'il faut faire quête de l'histoire pour s'y intéresser, je pense. Il me manque un éclat caché sur les collines de la grotte. Ah, je la vois. Bon. On va aller voir déjà, c'est pour ça. Et après, on va faire la quête story. Ça m'intrigue. Peut-être que j'ai pas récupéré, je pense. Peut-être qu'il a fallu passer par quelque chose. Je l'entends en plus, hein, tout ça. Ah, voilà. Ah. Et voilà. Ah, c'est dû rater. J'appuie sur tous les boutons d'un coup. J'ai tapé un screen. Alors lui, je pense que c'est pour le donjon. C'est un donjon de groupe en plus. Alors, c'est pas le bon côté. Explique-moi encore pourquoi fuir était notre meilleure option. Quelle importance. Si nous n'arrivons pas à allumer un bête feu de camp, autant revenir sur nos pas.
On récupère toujours les veines de platine. On prend tout. Ah, ça pourrait être utile. Il n'y a pas de... de coffre. Je vais checker au cas où. La magistrice Vox a presque détruit Selphora. Juste parce que le peuple a refusé de plier le genou face à elle. Arraché du coup. Je pense que quelqu'un a déjà fait la récup. La relevé. Alors, moi je vois clairement une mission de story ici. On va se lancer dedans. Rien, ça veut dire que j'ai pas assez avancé dans d'autres stories pour pouvoir la faire. On va voir, hein. De toute façon, Almanach, les éboulis, Fort Virac, le Mont Cendreux. Non, je pense qu'il va falloir passer à la brèche. La brèche, peut-être Frange Ombre d'abord. Ouais, j'avais mis Frange Ombre. Donc, on va passer à Frange Ombre. Et je pense qu'on reviendra plus tard pour refaire tout ça. Hein. Parce que au moins, là, on aura toute la trame de story en une fois. J'espère qu'il n'y aura pas de cicatrice. Parce que là, je suis sûr et certain. Que je dois avoir peut-être un grand classique. Non, je pouvais pas la lancer. Cœur ébène. Il y avait de la quête. Et le guet d'Avon. Parmi les indomptables. On va inspecter tout ça. On va inspecter tout ça. Je suis sûr que je peux faire réparer mon armure, quitte à être en ville. Honneur à vous, voyageur. Je me nomme Naryl. J'imagine que vous venez d'arriver en ville et que vous cherchez du travail. Notre rencontre est un vrai coup de chance, car j'ai justement besoin d'aide. Intéressant. On va voir s'il va se poser quelque part, lui. Ah, en plus, il a que 40 000 points de vie. Pas le perdre de vue. Ah dur. On a déjà perdu de vue, hein. Je pense pas qu'on puisse se les faire. Parce que sur la carte. Il est parti dans cette direction là. Donc. Non, 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 non. Je pense que c'est normal qu'on perd leurs traces. Alors. Oh, parvivec, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Eh bien, galopin. Vous n'avez pas trop d'égratignures. Ah, vraiment? Eh bien, d'après une bande d'aventuriers qui partagent les mêmes valeurs. Nous sommes tous en quête de gloire. Vraiment? L'exploration des donjons et l'exécution des monstres, c'est une affaire pour les braves. Tant mieux. Mais c'est... Je vais la faire plus tard celle-ci. Ça me paraissait intriguant.
Bah, je suis déjà un indomptable, hein. Alors, pour le coup, on va checker les autres missions. Je suis, attendez. Quand même, on va checker. Ok, je vous dis, parmi les indomptables. Quel est ça, champignonnaire 1. Ok. Ah, j'en vois une là-haut. On dirait que c'est dans la guilde des mages. Je pourrais pas rentrer par là. Je le sens. Si, hein, elle est censée y en avoir une. Je ne la vois pas encore. Ici, je sais pas non plus. On inspecte. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ça me paraît intriguant un peu. Si alors. J'arracherai son cœur. Pardonnez mon audace, étranger, mais avez-vous rencontré le raté qui me sert d'apprenti à voler l'un de mes livres de sorts? Malheureusement pour lui, je ne suis pas un idiot. Le livre est protégé par une rune qui invoque... Arke ou Akatosh. J'imagine qu'il regrette déjà son geste. Pourquoi? Je veux mon livre et je veux l'écorcher vif. Cherchez-le, ou alors interrogez son frère. Diti, c'est un habitué de la taverne du coin. Ok. C'est la seule ligne. Donc c'est une base de zoï, je pense. Bon, je l'aurais vu de toute façon sur la liste. On est entré par là-haut, je crois. Il faut trouver l'escalier. Mène dehors. J'ai piqué sans faire exprès, bien évidemment. J'ai entendu encore le dragon. Un jour, Denti. Ah, mon livre. C'était une simple besogne. Yo, Axala, ça va? Alors. Je pense que le seul qu'on a après, c'est celui-ci.
Mais je pense que pour progresser, honneur à vous, voyageurs, va falloir vraiment qu'on savez peut-être se rende vers la brèche. Qu'on me procure quelque chose. Un tavernier nordique conserve une bouteille de l'arme d'Amaya. Toujours pas de J'ai proposé de l'acheter, mais rien à faire. Franchement, il ne la boira jamais. Il ne se rendra compte de rien si on la remplace par une copie. Vas-y, on laisse tomber ça. On part vers la frange ombre. Allez, puisque là, on peut rien progresser. On va à la conquête de Frange Ombre pour finir la brèche et revenir pour conquérir le reste du territoire. Alors, Frange Ombre, par où nous allons commencer? Alors, je pense que je suis un peu chaud pour faire le nord. Non, au sud, on va voir au niveau des oratoires. Là, ça m'a l'air d'être pas mal pour commencer. Parce que je pars direct là, je remonte là. Et au fur et à mesure, je fais de la conquête. Allez, c'est parti. Ouais, je suis allé sur Nexus pour voir. Bon, j'étais un peu perdu au début. Mais voilà, j'ai pu un peu voir. J'ai pas tout regardé. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu en vrai. Hein. Genre, il y a des tops et tout. Des modes. Et j'ai pas tout compris non plus. Allez, c'est parti. Je ne peux plus le marais. On s'y promenait, mes amis et moi, comme nous l'avons toujours fait quand les foifanges et les étrangleuses nous ont attaqués. Je l'ignore. Mais le Sylvegarde de Nexit doit avoir sa petite idée. Aussi loin que je me souvienne, il a toujours vécu à Xalitix. Si quelqu'un sait ce qu'il se trame dans ce marais, c'est bien lui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Hein. Il y passe le plus clair de son temps à consulter les anciens et à communier avec Liszt. Plus vite vous parlerez au Sylvegarde, mieux ce sera. Le marais lui-même... Allez hop, on y va. On va s'occuper de son problème rapidement. Alors, juste je regarde mes accomplissements. On est tranquille. Il nous reste pas grand chose d'ailleurs. Il reste 3, 4. Ça doit correspondre aux éclats qui manquent. Il n'y a pas grand chose niveau story. Je vais vérifier au niveau de l'almanach de Calwell aussi. Alors on devrait pouvoir réaliser pas mal de choses ici. Allez, c'est parti. Vous arrivez à point nommé, étranger. Liszt doit vous guider. Des énergies d'Edric imprègnent. Je dois accomplir un rituel de vision claire, mais je ne peux pas le faire seul. Une potion doit être placée dans les jarres cérémonielles. Ça ne sera pas facile. Quand je ferai attention. Allez hop. Et ils ont pour me couvrir. C'est mon bouclier, comme elle dit. Allez, on est parti. Prenez garde, les créatures des marais sont enragées.
était hors de portée. La dernière. Hop. Allez, on exit. Vélote. Quel désastre. Des prospecteurs sont perdus dans le marécage. La prospection est l'unique moyen de subsistance. Je suis une exploratrice, pas une guerre. Méfiez-vous des fois, ils fangent. Ok, allez, allez. On va faire ça d'abord. J'ai entendu des combats en dessous. Vous allez bien? Argzout, j'aurais dû m'en douter. La puanteur de l'oblivion imprègne ce marais. Mais je sens que vous avez tout de même placé les potions. Les miasmes qui entourent chaque stèle se sont dissipés, au moins temporairement. Oui, le pouvoir des anciens est avec moi. Je peux découvrir la nature exacte de notre ennemi. Peut-être pourrons-nous découvrir comment purifier le marais de cette infection. Esprit du marais, créature de la nature. Montrez-moi vos blessures. Namira, je te révère. La corruption d'Edric est puissante. J'ai presque été submergé, mais au moins j'ai identifié sa source. Ils attaquent notre cœur, notre âme, nos mémoires. Je dois rester ici pour retenir les Dédras. Allez à Liste, près du centre de Xalitix. Pendant ma transe, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Les sbires déterraient la relique. Elle se trouve au pied d'une stèle. Oh là là. De nouvelles légendes à raconter, hein. Voilà une arrivée bien propice. Voilà la fin du récit. Merci d'avoir sauvé. Doa Agil a été frappé par une barbule d'étrangleuse. Une barbule étrangleuse.
Il n'y avait rien ici. Senda t'apporte le repos. La main de Namira. C'est vous, le mortel qui a dérangé mes créatures dans le marais, n'est-ce pas? Voilà. Qui suis-je? Vous n'avez pas la possibilité de comprendre ma vraie nature, insignifiant cafard. Voyez-moi comme un aspect de la Dame de Décomposition, légitime maître de tous les esprits. Je réclame cette terre et tout ce qui s'y trouve. Personne ne se dressera contre moi. Ces primitifs à sang-froid ont été vaincus. Comment pourriez-vous les aider, mortels? Je ne peux vous atteindre, mais mes sbires sont bien assez pour s'occuper des gens. Quoi? Comment l'a-t-il appris? Mortel. Darwinien, ils ont vraiment des noms chelous. Un doigt agile. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Serait-ce? Farkzout, vous avez trouvé mon arc. J'ai bien cru l'avoir dé... Ça marche. C'est sur Nexus encore? Mais c'est seulement si je vous laisse le temps de l'utiliser. Viens à moi, corruption. Manifeste-toi. Et détruis ce misérable insecte. On va attendre qu'il arrive. Vas-y, ça marche. Ah, c'est lui, corruption? Désolé, j'ai rien d'avoir à voir là-dedans. Bon. Ah, il a un petit frère en plus. Que c'était utilisé là, la main de Namira. Je suis grièvement blessé. Ah ouais. Allez, excuse-moi, Udo. Je veux pas te laisser en galère comme ça.
crois qu'elle a bugué. Vous avez réussi. Namira est vaincue. Regardez, les miasmes se dissipent. Il reste quelques Dremora le long de la route, mais ils n'ont plus d'emprise sur... En mettant un... La source de la corruption a disparu. Notre marais est de nouveau intact. Vous pouvez rester à Xalitix, bien entendu. Nous avons encore du travail pour remettre la ville en ordre. Vous pourriez... Ok. Alors, c'est accompli, on va partir vers là maintenant. Direction du Schnorr. Attendez. Alors, on va faire une petite inspection pour voir s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, on s'arrache. Fréquenté ici, je pense. Ah, petit coffre de maître. Allez! Et voilà! Terminator. Ah, je meurs souvent, hein. Bon, je meurs de chute, mais je meurs quand même. Alors. Voilà, je pense qu'il faut que je me dirige. Comme ça. J'ai appris quelque chose. Soleil comme ça là, je suis pas sûr d'avoir la quête. Hein. On va voir. Non, je la vois pas. Dire peut-être qu'il va falloir que je laisse tomber ça. Ah, on a une quête de story. Correspondance du domaine. Nos yeux à fort tempête nous ont parlé d'une tuerie dans la métairie. Je sais pas ce que c'est qu'une métairie. Ça doit être une prairie à métaux. Je sais, j'en ai aucune idée. Comme le gouvernement local n'a pas pu résoudre ces meurtres, les gens ont perdu confiance envers le vice-chanoine Rundar. Les prévôts qui le servent, nous ferait bien de les exploiter. Ok, bon. Murmure discret. Parlez au vice. Ah, il est loin. On va faire de la conquête en route. Bon, là, je suis pas sûr qu'il y ait de quête qui me permette d'avancer. Juste checker s'il y a le coffre là. Il est vert, je crois, non? Non,
Non. Il y a R. Alors, je serais bien parti par l'est. Par l'est. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller là. On va aller là. Après, on va redescendre là. Ok. Bon, allez, c'est parti. Ah, putain, il m'a fait peur. C'est passé. Métayage, apprenez à prononcer non masculin, mode. Apprenez à prononcer non masculin. Domaine agricole exploité selon le système du métayage. Métayage, apprenez à prononcer non masculin. Mode d'exploitation agricole, louange d'un domaine rural. Un métayer qui le cultive. Pour une partie d'un produit. En fait, il a une tête joviale, lui, j'aime bien. Je vous avec un peu de chance, les prisonniers. J'étais un peu perturbé par sa tête, du coup j'ai rien écouté. Du coup, le métayage, c'est un agriculteur quoi. Alors, parlez à un garde. Okay. Que voulez-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Faites demi-tour pendant qu'il est encore temps. Ah, je te jure. Hein. Vraiment ? Cela a intérêt à être important pour le dîner. Certains prisonniers sont devenus enragés. Si vous pouvez vous permettre de perdre du temps en bavardage... Ouais, j'ai pas le temps en bavardage, mon frère. Alors, c'est moi ou c'est une guillotine? Ok. Très accueillant, ce lieu. Voilà. Que faites-vous ici? J'ai assez d'ennuis sans que des étrangers ne viennent m'en créer davantage. Les vice-chanoines espèrent obtenir notre aide? Où étaient-ils quand les impériaux nous ont abandonnés à notre sort? Ah. Nous sommes piégés ici depuis des années. La moitié des prisonniers a perdu l'esprit et a commencé à dévorer le reste. Gros crâne chauve, là. Son front sale. Vous croyez que nous n'avons pas essayé? Mes frères impériaux ont utilisé le pouvoir de votre précieuse pierre-clé pour nous lier à cette prison. Ah. Si nous partons, nous mourrons. Faisons un marché, très bien. Après, allez, c'est comme si je pouvais négocier le marché. C'est pas du tout ce que je voulais prendre. Voilà. Ça arrivait vite ici, hein. Ça arrive même avant Iso. La preuve, ils sont entre nous deux. Quelle aventure avez-vous prévu ? Voilà. Ok. Yokai. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu de nouveaux visages. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, juste à temps. Le général Raetus, qu'a-t-il promis en échange des provisions? Vous avez accepté? Il ne vous a peut-être pas averti du danger que cela recouvre. Sargon pourrait vous aider. Il se trouve au donjon. Il recherche des provisions. Allez hop. Un donjon, c'est perfect homme. Il est où l'entrée? Ok, c'est pas par là en tout cas. Donjon de la prison Blanche Rose. Oui, c'est ça. Alors,
trouver Sargon. Ok. Ah. Même morte, je ne peux pas m'échapper de... Même dans la mort, les impériaux ont amené ma... Ils ont trouvé les... Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, il a l'air d'être assez vide, ce donjon. Waouh. C'est creusé dans la montagne, tout ça. Propre, hein. Propre. Par Satakal, vous m'avez fait peur. Ça fait des heures que je joue au chat et à la souris avec des enragés. J'ai bien cru qu'ils avaient fini par me débusquer. Qui êtes-vous? Jurni est une brave femme. Puissais-je vivre assez longtemps pour le lui dire? Ah. Si vous cherchez la pierre clé de Belael, est-ce que ça veut dire que vous allez nous libérer? Probablement dans le bureau du gardien de la prison. Il y a une longue route. Le chemin le plus court pour y monter s'est effondré depuis longtemps. Il faudra s'occuper de nombreux enragés en route. C'est pas un problème. Ah, c'est la réponse. Je vous accompagnerai si notre liberté en dépend. Ah, tu peux sortir, hein. J'ai pas besoin de toi, j'ai Iso avec moi. Allez hop. Ah bah, il vient. Bon, venez, vous prenez votre temps là, il y en avait qu'un en plus. Alors, on a l'objectif ici. Ils ont de l'or dans les poches, hein. Son père a fabriqué cette poupée dans une vieille chemise. Elle a toujours gardé son odeur. C'est glauque un peu ce qu'elle vient de dire. J'ai fait ce bracelet pour Nuzal. Les pauvres enfants de moi sont dans mon meilleur dernier demeure. Ah. Il va falloir faire le tour, j'imagine. Je ne tiens pas à passer plus de temps que nécessaire. Parti. Dans les derniers effondrements, c'était plus une fermeture. Ah. Elle s'est TP, on dirait. Enfants. Je suis non découpé en morceaux pour l'éparpiller. C'est une sorcière ou bien? Attendez, avant d'utiliser la pierre clé. Je pense qu'elle a fait le taf, hein.
Nous avons enfin réussi. J'ai bien cru que c'en était fini de nous, à plusieurs reprises. Avant de prendre... Il y a une sorte de lien entre la pierre-clé de Belael et les prisonniers qui perdent l'esprit. Si vous ne nous libérez pas, si vous vous contentez d'emporter la pierre-clé, les résultats seront désastreux. Avec le temps, tous les prisonniers liés à la pierre-clé perdent la tête. Ils deviennent enragés. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas à ce sort. Les gardiens de la prison avaient un livre sur les pierres-clés. Ils savaient, et pourtant ils nous ont quand même infligé cela. Il y a un livre sur le bureau du directeur de la prison. C'est peut-être ça. Ça ne sert à rien, la pierre-clé, wesh. Alors, la pierre-clé brille d'une lumière pâle. Ça fait quoi si je l'absorbe? Je peux regarder sur internet avant de faire un choix. Alors, tes os. Aïe, Léid. Coffre à Léid. Ah, pile ou face, triche pas, vilain. Ouais, bah ça. Je sais pas, on sait jamais. Trésor, coffre à Léid, pierre clé. Allez hop. Viens, chapitre 1. Incontable, la cité impériale. Comment on jette la clé, la pierre clé. Bon, j'ai aucune information. J'ai rien fait. Bon, ce qu'on va faire. On va l'absorber pour voir ce que ça fait. Vous nous avez trahi. Mon esprit. Non. Ok, ça fait juste ça. J'aurais mieux fait de la détruire. Parce que ça n'a rien changé en vrai. Hein. Juste fait une dinguerie. Hein. Juste fait une dinguerie par... Par curiosité. J'aurais mieux fait de la détruire. Parce que trahir, c'est pas bien. Alors. Pierre-clé, fuyez la prison de la Blanche Rose. Ce qui s'intéresse, éliminer les restes. Il y en a un. Oui, je suis en bas. Ok. Bon, je peux me tirer d'ici. Enterrer les restes. Traître. Affrontez-moi ou je tue mon prisonnier. Il est où? Petit bug, elle a mis longtemps à mourir elle. Ouais, je pense que c'est faux. Enfin réunis. Bien sûr. Bon, on va aller voir le bug. Ah, il est cette affaire. Change.
C'est de votre faute. Ouais, j'avoue, c'est ma faute. Bah, c'est une piste, mon frère. Pitié. Faites-moi sortir d'ici avant que ces cannibales ne me déchiquettent. Je peux marcher si vous me libérez. Nous devons partir. Retrouvez-moi devant la prison. C'est pas comme s'il avait fui très loin. Merci de m'avoir sauvé. Quoi que vous ayez fait, le général Raetus était fort contrarié. Vous avez récupéré la pierre clé ? Vous l'avez vraiment absorbée ? Eh bien, c'est probablement mieux que de la laisser, tant que son pouvoir nous est toujours accessible. Ok. Comme toute bonne histoire, votre aventure ne fait que se développer à chaque récit. Ouais, elle a dit bonne histoire, hein. Bonne histoire. Bon. On a un peu merdé sur ce coup-là. Donc, maintenant, on va aller là. Hop. Allez, Iso. On est parti pour merder ailleurs. Ah. On est les vilains de l'histoire. Puisqu'il m'a mis la pression avec ça là, il m'a dit triche pas et tout. Du coup, j'ai pas pu bien réfléchir. Je remets toute la faute sur lui, tu sais. Alors, c'est certainement une mission dans le coin que je vois ici. Moins fort. Je suis l'éclaireuse des vices chanoines. Cela fait plusieurs jours que je surveille les activités du domaine. Zouk est resté abandonné pendant des années. La seule personne qui y vive encore est un Kotringi qui n'a plus toute sa tête. Ils sont à la recherche d'une relique magique. Une pierre clé. Un truc que j'ai absorbé. Sans ombre, court un grave danger. Ce Kotringi pourrait nous aider à mettre la main dessus avant le domaine. Bien sûr. Méfiez-vous de ce Kotringi. Allez, on y va. Bon. S'il nous reste à faire. Rendez-vous, nanana. Vous, là-bas. Wow. Détachez-nous. T'es gris, mon frère. Nous sommes conscients qu'une altesse royale est méconnaissable quand elle est attachée à un pilier. T'es gris, mon frère. Nous demandons à être libérés. T'es gris, mon frère. Peut-être. Mais nous ne pouvons penser à rien d'autre que notre royaume. Bon, je vais libérer le petit gris, là. Suivez-nous. Notre château n'est pas très loin. Son château. Pourquoi il est gris ? Ah, il a même un trône. Ah. Il y a une semaine, Zouk était prospère. Je veux même pas savoir la suite. Vous avez prouvé que vous étiez digne de rejoindre les rangs de nos loyaux sujets. Je pense qu'il est fou. Alors nous vous enrôlons. Nous sommes le roi Drilk, votre seigneur. Quand notre royaume sera en sécurité et notre dignité restaurée, la pierre clé se révélera d'elle-même. Ainsi parle la prophétie. Tout d'abord, il faut fabriquer une nouvelle couronne. Nous sentons votre hésitation, mais rien n'est possible sans notre couronne. Vous êtes rusé. Nous n'osons pas douter de votre honneur, car vous en êtes imbu. Je pense qu'il est... C'est vrai, nous n'avons pas besoin de couronne. Déjà, il est gris. Roi. Mais comment régner alors que nos sujets sont en grave danger ? Les envahisseurs ont enchaîné nos sujets à l'aide de leur magie nauséabonde. Ils détiennent les rames, Détrel et Saraz dans nos basses terres. Quand un mage enchaîne son impuissante victime, il garde en main un parchemin de libération. Trouvez l'un de ces parchemins. Un bon roi est à l'écoute de son peuple. Les magiciens passent leur temps. On y va. Ça me rend fou d'écouter ce fou. Dérober le parchemin de libération. Vraiment super simple. Ah.
oublié que j'étais à l'arc. Vous me posez sans cesse les mêmes questions. Encore et encore. Pour l'île haute. Alors. S'intéresser à la pierre clé, je ne leur ai rien dit. Je leur ai rien dit. Vous bénisse. Parlez à Drilk. T'as vu, ils disent pas le roi Drilk. Alors que quand c'est Jorun, ils disent pas parler à Jorun, ils disent le roi Jorun. Nous n'entendons plus. T'inquiète, je suis à l'affût de ces genres de nuances. Des esprits ? Baliverne. Venez, nous allons vous montrer. Nos sujets attendent une déclaration royale à la tour du château. Vous n'aurez pas tous les jours l'honneur d'escorter un roi à travers son domaine. Problème technique. Du règne. Je sens que je vais faire du mal à ce câble. Si je fais pas quelque chose, très vite. Voilà. Comme ça. Hop. Puisqu'après c'est le chargeur de mon PC, mon PC tient pas la batterie. Voilà. Et vous l'aurez si l'on en croit la prophétie. Le roi en sa demeure de la pierre clé proclame l'heure. N'ayez pas. Ouais, je pense une balade. Alors, accompagné de Drilk à la tour. Ok. Ok. Alors, je vais me dépêcher. C'est bien de vous avoir à nos côtés au combat. Vous allez devenir capitaine de nos chevaliers. J'ai pas vu lui. Ah, la tour elle est derrière. Ne leur montrez aucune pitié, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Qu'il paie pour avoir envahi notre royaume. Il est un peu, comment dire, revanchard le roi là. Alors, voilà. Bon, allez. Ah, ils ont été transformés en pierre, c'est nous pour ça. Nous sommes revenus. Réjouissez-vous, votre roi reprend son royaume. Les envahisseurs occupent nos terres depuis une éternité. Mais ne craignez rien, notre armée royale suit un nouveau capitaine. Allons, parlez au peuple, capitaine. Pourquoi vous adressez-vous à nous? Parlez plutôt à nos citoyens, capitaine de l'armée royale. Vous ne souhaitez pas devenir capitaine de l'armée royale? Navré, mais le seul autre titre vacant est celui d'épouse royale. Sauf votre respect, vos charmes ne suscitent pas en moi ce genre de proposition. Que se passe-t-il? Rappelez-vous quel est votre devoir. La
la pierre clé. Ça me revient à présent. Pardonnez-moi. Ah. Les tortures du domaine ont aliéné mes pensées. J'ai essayé de vous le dire plus tôt, mais c'était comme s'exprimer avec un esprit englué par la sève. La pierre clé est enfermée dans le temple dessus. Lorsque mon peuple était encore de ce monde, nous avons condamné le temple à l'aide d'un sceau de protection pour empêcher les esprits vengeurs et morts-vivants de s'en échapper. Cela signifie ouvrir dans ma langue. Ok. Jadis. Pourquoi elle est gris? Ça, il l'a pas dit, hein. Il a jamais dit pourquoi elle était gris. C'était la seule chose qui m'intéressait de savoir pourquoi elle était gris. Voilà. La porte est fermée. Betrux. Allez hop. Temple de Soul. Putain, ça me tracasse. Pourquoi il était gris ce type? Pourquoi il était gris? Alazilaleide. Ah, non, cela fonctionne. Peut-être déjà mis une parviendrait-elle à percer ce mystère, j'ai eu deux. Ok. Bon. Je pense que ça va finir en casse-tête. Bon. Je peux pas passer par là, donc faut que je fasse le détour. Est-ce que ça vaut le détour? Alors là. Bon, c'est un autre joueur. Les anciennes ruines sont d'une complexité étonnante. Les lézards n'ont pu les construire. Nous n'avons trouvé aucune trace d'une civilisation. Chacun sa merde, comme on dit. Le bonheur, on le partage. Nous y arriverons. Pensez-vous de vous poser ça? C'est quoi ça? Vous donnera à vos sculptures de chair une couleur et une texture merveilleuse. Tout à fait. Mon chef-d'œuvre égalera les roues de la torture de Vindazer. Vindazer. Ce fut un beau combat. C'était pas vraiment un combat, hein. Un massacre, du genre. Votre révolte échouera, esclave. Vous n'êtes que des animaux. Ah, le chien. Alexia nous a montré la voie, elf. Nous ne sommes plus esclaves. Alors, il y a un petit casse-tête. On va tenter de le... Alors là, il y a le serpent. La sirène. Le super-héros. Et le château de Disney. Ok. J'imagine... Ok. Bon. Jamine, elle est dehors. J'imagine qu'il doit y avoir une suite logique. Ah. Bon. Ah, là on y est. Alors, je pense... Alors, le serpent, le château, le super-héros, la sorcière. Alors, le serpent, le château, le super-héros, et la sorcière. Allez. Alors, c'est... Alors, priorité au pillage. Encore un pillard venu voler les trésors et les... J'ai parlé trop fort ou... C'est quoi bon? Bonjour, je suis venu piller votre temple. Il ne se trouve rien pour vous. Ah si, je cherche une pierre clé. On m'a indiqué qu'elle était là. Et j'en suis sûr. La pierre clé a été volée, absorbée par Drilk, un Cotringi. La peste Naaten a tué les autres. Lui, pour une raison mystérieuse, était immunisé. Est-ce lui qui vous envoie?
mentir. Vraiment? Alors comment avez-vous brisé la protection du temple? C'est Drilk qui m'a enfermé ici. Putain, j'aurais pas dû mentir. Ce temple est sacré. Vous paierez votre insolence. Bon, vas-y, on va avoir des coups de rein si tu veux. Viens, viens, viens. Au combat! Première pierre. Billy-Bouche, la pierre clé de ces dormis appartient aux... On dirait que c'était pile à temps, hein. J'étais à deux doigts de passer sur un cercle magique. Ah, Mandrill qui m'a piégé. Je me disais si il était gris. Faut dire quand même s'il n'y a pas grand chose. Il n'y avait vraiment rien. J'aurais peut-être pas dû mentir. Mentir, c'est pas bien. Alors, pour en sortir, je crois que c'est tout droit. Il va y avoir un petit bouton pour ouvrir la porte. Ça a dit. J'aurais pas dû lui dire qu'on m'a dit que la pierre elle était là. Et que j'étais venu pour ça. C'était une question piège. Faut que j'arrête d'hésiter comme ça là. Allez hop. Vous êtes de retour, mais sans la pierre clé? Que s'est-il passé? Absorbé? Je ne sais pas. Je suis entré dans le temple, j'ai vu la pierre clé. Et puis, plus rien. Maintenant que vous le dites, je sens quelque chose. C'est ça qui a dû me permettre de survivre. Ah, c'est pour ça qu'il est gris. Cotringy. Oui, ça y est, je me rappelle. Je suis Cotringy. Une peste a dévasté le village. La maladie, la mort, les corps inertes empilés partout. Non, je suis le dernier des Cotringy. Je devrais rejoindre mon peuple. Il y a un rituel qui permet de vous transmettre la pierre clé. Mais il entraînerait ma mort. Laissez-moi vous la donner. Au moins ma survie aura été utile. Quand vous absorberez la pierre clé, une partie des Cotringy... Je suis pas venu pour repartir les mains vides. Je suis un mood pillard aujourd'hui. Merci de m'avoir aidé à retrouver mes esprits. Faites bon usage de cette pierre clé. RIP mon frère. On s'arrache. Y'a aucun cœur, aucune pitié. Vous vous êtes absenté un moment. Comment ça s'est passé? Je vais essayer de toutes les absorber pour voir ce que ça... Qu'est-ce que ça donne? Peut-être qu'il y a un truc stylé à revendre, à toutes les absorber. Oh, c'est parfait, ça me mène directement vers là où je voulais aller. C'est pire que le destin. C'est pas un hasard. Ou avancer. Intermédiaire. C'est pas un truc de ouf. Alors, je prends ma direction. Hop,
Hop. Bon, je pense que là, cet épisode, pardonnez-moi, mais je vais faire le gros AFDP, comme on dit. Enfin, puisque là, je vais essayer de toutes les absorber, les pierres, et je pense que ça va nécessiter pas mal de sacrifices. Il n'y aura aucune justice dans mes actions. Ça va pas être légitime du tout. Alors, il m'envoie derrière, je vais d'abord aller parler à le machin, là. À la machine. Wow, il y en a de la mission ici. Alors. Aliyama, tu peux le faire. Voilà. Salutations. J'étudie les ruines. Voilà qui est un. Pourquoi nous? Qui a bien pu prendre ces ruines? Je vais rester ici pour protéger les reliques, notre histoire. Ok, allez hop. Je vais rester ici pour protéger. Fouiller la charrette. Ah, voilà. On va voir. Vous vouliez me parler? Ça s'est produit la nuit dernière. Ok, ça s'est produit la nuit dernière. Pourquoi me dérangez-vous? J'ai des problèmes. J'ai entendu un bruit étrange près de son chariot. J'ai vu un des miens qui portait un pourpoint rouge et... Et c'est tout ce que je sais. Je n'ai rien à voir là-dedans. Qui que ce fût, il a... Un pourpoint rouge. Quel lieu. D'ordures. Vous n'êtes pas. Si vous venez, le membre du domaine en question, le capitaine Namo, a clairement énoncé ses intentions de passer les épreuves des écailles sacrées. Ceux qui auront passé l'épreuve de l'esprit. Ok. Je vous en prie, mes amis. Je. Je dis ça. On va la régler, lui. C'est une habitude de s'inviter chez les autres. Je ne sais rien à propos de reliques volées. À présent, minute. Un des pèlerins hauts elfes m'a offert le poids de ma queue en or pour ces choses. Mais après les avoir vues, il a dit qu'elles ne valaient rien. Prenez les reliques, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Journal de main caché. C'est vrai qu'il a raconté la vérité. Oh. Alors. Je pense que je vais prendre le canasson. C'est parti. Le domaine nous détruira tous. Cadavre. Idem. Je sais pas ce qu'il a appelé, mais il a appelé un truc. Que c'était tout. Bon. Allez, go, hein. Comme on dit. Avez-vous retrouvé la trace? L'intérêt, le domaine a-t-il? Allez, hop. Ah!
Vous dites que pour la prochaine épreuve, je... Elrin, l'épreuve de l'esprit vous attend. La communion avec Lyst nous apprend qui nous étions et ce qui fait... Allez, on descend. On va communiquer avec notre esprit ou l'esprit du temple. Alors, voici l'épreuve de l'esprit. Je pense que c'est une épreuve d'intelligence. Alors, une hache. Oh là là. Véritable équilibre. Le regard s'échange. Alors, l'organe, je m'en charge. Au moins, croyez-il des haches étincelles soudain, ça me tire brutalement. Tiens, j'ai alors. Je vais avoir besoin de prendre des notes. Moi, je vais prendre ma feuille où j'ai toutes mes notes raturées. Hop, un stylo. Alors. Je suppose que la hache, ça doit avoir un rapport. Alors, hop. Alors, possession. Ok. Attends. Allez, là-bas, c'est pas ce ok. Ah, Cotrigui, voilà, hache dégoûtante pour l'achever. Nain ne peut s'empêcher de pousser un cri. C'est alors qu'un couteau Cotrigui va se planter dans la gorge de l'assaillant. On a un couteau. Et là, je n'ai rien à se lever. Alors, on a Awas, Junei. Ok. Comment savez-vous demander un génie? Ah. Aptoliste. Ok. Vache. Alors, fiole de la sève de East. On a une pierre de Zat. Coffre de trait. Bon. Je pense que... Il manque un élément. Donc, ok. Donc on a Bedzi au centre. On a Awas ici. Ok. Et là on a le Jaralith. Ok, donc ensuite on a une pierre, on a une hache, une fiole et une fiole de save, la hache. Bon, déjà je pense qu'il y avait la hache avec les Awas et on a la gemme. Au revoir. Donc, toc. Là, je pense que on a la hache avec les Awas. Fruit de la pierre. Alors, la pierre, nanana. On a un éclair. Pour les bêtises, c'est la pierre. Oh, d'accord. Non, la sève. Is. Alors, sève. Pour les bêtises, les Awas, la hache. Et du coup, par déduction, je suppose que là, ça doit être la pierre. Et là, on savait pourquoi les offrant en Noël antique, il se peuple, un petit peu quand même. Alors. Quelqu'un des yeux, alors que sa phrase en rase de son esprit, la sève de Lyst. Bon, du
coup j'ai un doute. Peut-être la sève c'est pour les Jarlites. Donc des trucs. Alors. Ouais, c'est comme ça. Le coffre des Awas. On va passer la hache Kotagiri. Les Bedzi. J'ai pas bien lu. Je vais placer Gemme de Zahat. Les Jarlites. C'était un peu plus clair. Je vais placer ça. Voilà. Faut sortir. Grand succès. Vous avez réussi l'épreuve de l'esprit. Votre prochaine épreuve est celle du cœur. Durant laquelle... Allez, on y va. Durant laquelle, j'ai pas écouté la suite. Je pense qu'il faut avoir du cœur, je pense. Une âme. Hein. Quelque chose dans le genre. Alors, rendez-vous au deuxième point de contrôle. Avez-vous récupéré nos reliques? Pendant que j'étais là, hein. Voilà, terminé. Aidez-moi, je vous en prie. Alors, une histoire de cœur. On va tout prendre, on s'en fout. Je vous en prie, aidez-moi. Qui est-il? J'ai tordu ma cheville pendant mon épreuve. Accepteriez-vous de me ramener à ici? Évidemment, est-ce que j'ai le choix? C'est une épreuve de cœur, mon frère. Viens. Prochaine de la dernière pluie. Comment pouvez-vous laisser une telle chose continuer? Accompagner Sir Esmir. Ah oui, la boîte. D'accord, donc on l'attend. Liste nous abandonnera si un soldat du domaine communique. Passez sans ralentir. Enfin une bonne action et sa propre récompense. Je vous attendais. Vous êtes candidat à l'épreuve du cœur. Le temps n'est rien. La véritable épreuve, vous devez encore subir l'épreuve du venin. Ah. Vous devez combattre avec un fort handicap. Ah. Voilà. Il est casse. Un autre pèlerin. Ils sont rares aujourd'hui. Oui. Allez, on voit le poison. Voilà. Quand vous sentez. Hop. Quand je sentirai tuer le poisson sur la cimère. Bon, faut que je fasse quoi? Fange ombre, vous avez la place. Je me rends. Vous vous battez comme un Wabassou. C'est quoi un Wabassou? Vous ne manifestez aucun des effets persistants du poison de putréfaction racinaire. Comme quoi, vous êtes robuste. En effet, bien. J'ai versé de la sève d'iste dans la coupe qui se trouve derrière moi. Buvez-la lorsque vous serez prêt à communier avec lui. L'effet de la sève d'iste varie d'un pèlerin à l'autre. Vous pourriez prononcer des mots ou avoir des pensées. Allez, on va se défoncer. Allez, hop. Wow. Le truc qui m'a projeté dans une dimension parallèle où je suis un argot. Ok.
J'ai trouvé le bon dosage. Je sais, ce n'est pas la première fois que je dis ça, mais cette fois, je le sens dans mes écailles. Si je bois, je suppose que c'est maintenant ou jamais. List est dans mon esprit. Comme c'est étrange. Je dois... Des années de travail. Et voici où ça nous mène. Ça me dépasse. Cela devrait être vous. Vous avez communié avec List. Rapide. Hop. Ça marche. Oh, quelle beauté. Je dois prévenir les autres. Les Cotringis sont sur nous. Vite, activez les pierres de Zat. Quelle puissance. Si elle devait tomber un jour entre les mains des Cotringis. Eh ben. Ça, on vient d'aider le dernier des Cotringis. Enfin, on vient l'aider. On est un peu dépossédé de sa force énergie et sa force vitale. Hein. Vous revoilà. En tant qu'intendant des racines, je dois vous informer que votre vision restera entre List et vous. Mais la curiosité me ronge. Dites-moi, des pierres de Zat. List vous montre peut-être une manière de protéger Smir contre les partis. Je ne sais pas. Je vois dans votre regard que vous avez communié avec List. Entre vous et le capitaine du domaine, cela fait deux étoiles. Un fruit de List. Sa magie alimentait autrefois les pierres de Zat et nous protégeait durant de longues années contre nos ennemis. Mais List n'a plus porté aucun fruit depuis bien longtemps. Oh non! Le capitaine Inaamon m'a aussi parlé de l'ambre de List. Puis il s'est hâté de partir. S'il possède de l'ambre, il sera en mesure d'utiliser les pierres de Zat sur les intendants. En direction des ruines de l'ombre. Je prie. Bon, allez, j'y vais. En Ziak, il m'a montré une direction, c'est pas la bonne, je crois. Ah si. Si. Évidemment. Ah oui. Avec quoi elle se bat? Ah ouais, d'accord. Ah, il va falloir que je vide un moment. Il travaille, hein. Ah là là. Voilà. Je suis un peu passé. On dirait que oui. Ah, attendez. Je crois savoir c'est quoi le Blame Pro. Ça ne me reste pas beaucoup. Hein. Ça m'a... Poisson, potion... Enchanté... On va attendre qu'il n'y ait plus rien, allez. Il faut que je pars. Bon, ça est mort. Ici, il sera à nous. Bon, allez. «
poussière tu fuis, poussière tu retournes. Allez hop. Bon. Allez hop. Allez, allez, hop. Allez, allez, hop. Ah, je vois des livres. Je pensais que c'était un coffre. Ah, ça ressemble à un coffre, mais c'en est pas un. Faux espoir. Bon, il y a R. Il y a R, il y a R. Les ruines. Allez, là derrière maintenant. Cela est juste. Vous n'avez pas contenté List aujourd'hui. Vous avez seulement répondu à ses attentes. Vous avez dévoilé. Stendhal est avec vous. Je le sens. Et voilà, c'est réglé. On va aller peut-être par là. Et après on remonte comme ça. Ça on se fait peut-être cette mission-là. Même si je doute qu'on puisse la faire. On se fait petit donjon. Et après on se fait ça, le bourbier. Voilà, ça c'est du planning, de la planification. Alors, c'est pas Iso. Ah non. Ah, mousse silencieuse. Pas trop fort. Le domaine s'est emparé de Curonde. Ne parlez pas trop fort. Obscuronde n'est qu'un humble village de pêcheurs, mais il abritait jadis les Éléides. D'anciens artefacts et de sombres secrets gisent au cœur de ces marais. Trois de nos agents s'y sont rendus pour découvrir les desseins du domaine. Botormige, Nouisha, Jans, ne faites pas de bruit. Tendu, hein, c'est tendu, c'est tendu. On est sur les réserves. Voilà. Carpe
synchronisée. Pauvre petite chose. Comme tu dis. Tout comme tu dis. Quoi, Iso? Arcétis, il était temps. Tant mieux si tout le monde n'a pas... Alors le plan n'a... Je comptais sur elle, hein. J'ai dû le finir moi-même, le type. Ah. Priorité au pillage. Êtes-vous là pour m'aider? Alors n'aurez pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas assassiné qui que ce soit. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Un vrai bug. Ami ou ennemi, parlez. J'ai beau être prisonnier, je refuse qu'on se moque de moi. J'ai rêvé d'entendre ces paroles. Bien. C'est sur la colline, là-bas. Je pourrai avoir besoin de vous dans le futur. À bientôt. Ah. 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 Jouer SCP. Oh ouais. Alka. C'est quoi ce jeu? Tu mets pas au courant, hein? C'est quoi SCP? Je vais aller regarder. Bon, je sais pas pourquoi je reste accroupi. Ce doit être de vous, voilà. Que Ravitax parlait. Nos agents vous doivent la vie. Bien sûr. Le domaine cherche un artefact, Eléide. Ouais, moi aussi, je cherche cet artefact. Je veux savoir ce que ça fait si je les absorbe toutes. Entre leurs mains. Les habitants d'Obscur connaissent ce sifflet. Notre priorité... Le domaine s'est particulièrement intéressé à une érudite du coin, Ashtulm. Elle a été vue avec deux gardes en train de se diriger. La pierre clé est une relique qui peut puiser dans le pouvoir de l'Oriazel. Les Eléides ont... Ok, les détails, on verra plus tard. À m'expliquer, tu sais, ce que je voulais savoir, mais j'aime pas les spoils. J'aime pas les spoils. Allez hop. Essayez de passer par là sans rester bloqué. J'étais deux. Visiblement, ils étaient deux. Ah, déjà connu. Bon, tant pis. Tant pis. Ah!
on s'arrache. Juste à côté. Ivala, ce n'est pas moi qui ai tué vos amis du domaine. Je les ai mis en garde, mais ils n'ont rien voulu écouter. Je pensais que personne ne viendrait nous aider. Je cherche. Elle doit se trouver dans l'un des coffres. Prouvez d'abord. Allez, l'un des coffres. Non. Déjà ça. Allez hop, au suivant. Ils sont riches les squelettes, hein. Ah, il s'enfuit! Il s'enfuit! Bon. Ça doit être le bon, j'en vois pas d'autres. Ah, voilà. Il fallait que ça soit le dernier. De cœur pâle. Venez me parler au site d'excavation. Ne vous inquiétez pas pour Ashtulm. Parfait. Cœur pâle sera ravi. Vous êtes prêts à repousser ces minables. Nous avons appris que le domaine a fait venir. Si ça ne suffit pas, pourquoi ne pas tuer les écailles. Allez hop. Alors, hop. Récupérer les cellules de feu. C'est bien ce bateau. Avec la proue et tout. Bref. Évidemment. Oh les bourrins. Oh les bourrins. Allez vite, sinon il va tous les défoncer avant moi. C'est une course, hein. Les raisins. Le feu. La compète. Nager là. Ok. On nager là. Sous ma gueule. Hop. Voilà. Faut pas avoir les pieds dans l'eau. Allez machin chose, mousse. J'aime bien les machin chose, c'était juste à les trouver. Allez hop. Petit saut.
Vous aurez l'honneur d'allumer le feu. Cœur pâle a demandé que vous... Allez, on va embraser tout ça. Wow. Magnifiquement, ça me brûle aussi, hein. Donc, quoi que je reste dedans. Allez, on est parti pour le reste. Si je passe par là, là. Allez Yama, tu peux le faire. On a déjà monté pire endroit. Ok, bon, là il veut pas le faire. Faire un canasson de grimpe. De toute façon, je vous le dis. Un des trucs que j'ai réussi à grimper avec lui. J'ai entendu les selles de feu exploser d'ici. Beau travail. Mais Raditax et moi pensons que vous devriez être investis du pouvoir de la pierre clé de Relay Islor. Moi aussi, j'en les pense. Les écailles d'ombre savent que vous êtes Raditax, si vous voulez bien. Alors, bien sûr, les hackers, machin chose. Que Sidis vous protège, mon ami. Et voilà, ça fait trois pierres. Raditax, vous êtes blessé? Ça ira. Le marais coule dans mes veines. Désormais, vous ne faites plus qu'un avec la pierre clé. Vous le saurez en temps voulu. Ouais, bon. C'est réglé. Scarré, comment, Coré. Alors, peut-être un petit... à détruire, oui. Peut-être un petit tri à faire. Alors ça, c'est à mettre au rebut. Le reste... bon. Une main, la dague... Peut-être pour rebut. Là, ça s'en fiche. L'organ légère, non. Baudrier légère, non. Ceinture lourde, non. Plus cuirasse lourde. Légère, lourde. Lourde. Moyenne. Oh, non. Moyenne. Ça, ça peut aller au rebut. Légère. Lourde, voilà. Allez hop. Là, on s'est affrété du port. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille à Vanderfeld, faire un petit détour. Je reviendrai par l'oratoire juste à côté. Parce que là, on est fou, là. Faut vider tout ça, là. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est Vanderfeld, puisque tout est à proximité. Franchement, c'est le meilleur des centres-villes. Je suis pas déçu d'avoir commencé par ici. C'était un pur hasard, mais... Ça fait du bien de s'asseoir. Alors, commencer par le marchand. On m'avait dit que je pourrais gagner une fortune. On va faire vendre, on va faire tout réparer. Ensuite, on passe par là. Bien évidemment, on a déjà mis de côté ce qu'il fallait. Hop. Voilà. Des bijoux, ça passe. La carapace. Toc, là, toc, 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 toc. Voilà. Ensuite. Fragment, là, là, là. Ça, on peut la vendre. Ça, on s'en fiche. Les peaux brutes, pareil. Les graduels, pareil. Ça. Ouais, je peux pas le vendre. Voilà. Si je ne sais pas, on a un arc à la recherche. Mon atelier est à vous. Voilà, je voulais pas te parler. Recherche. Non, c'est un truc à la place. Bon, apparemment, il y a déjà en recherche. Je pensais pas.
Les joailleries. On va faire. C'est vrai que en joaillerie, j'ai rarement de la recherche. Hein. Bon, démontage. Démonter les objets sélectionnés. Là, normalement, je peux raffiner une partie. On est bon. On va aller à la banque. Juste avant, faut que je fasse un petit tri pour voir s'il n'y a pas des petites. Voilà. Sortir des rebuts. Sortir des rebuts. Quand la loupe a disparu, ça veut dire que j'ai déjà le trait. Hein. Hop. Il y a tout. Donc, dépôt. Hop. Corriban qui avait des draps. Fragment. Dernier idiome. La once, le palladium. La peau propre. La sur les platines. La stélite, le zinc pulvérisé. Et on est toto bene. Des cambriolages et des meurs. On toc toc. Hop hop. Non. Recette. Et là on est bien. On est reparti. Pour une nouvelle mésaventure. Je sais pas pourquoi on dit pas juste une nouvelle aventure. Ça vient d'où mes aventures? Alors. Bon, clairement c'était pas ça. On était à Fangeombre. On avait un petit lop. Prêt à partir. Alors, il y a un petit boss là. Je sais pas si ça le castagne. Efficace de faire ça hein, puisque le forçage ça marche jamais, enfin, ça marche pas souvent. Allez hop, c'est parti. La mise en garde à tous les voyageurs, les tombes profondes ne pourront plus accueillir les pèlerins. Aucun espoir. Ne faites pas creuser aussi votre tombe. Ok. Ouais. On va y aller. Je pars par là. Il y a des murmures, des faux follets. Je passe pas ici en tout cas. Ah, on creusait les tombes de quelqu'un. Ce n'est plus un endroit qui convient. Feu follet ou non. Nous ne saurions empêcher. Le vent ne m'en a rien dit. Alors. Sauver les voyageurs. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le ménage. Mais si les glauques leur endroit de pèlerinage. Alors. Excusez-moi. On dirait que quelqu'un a fait le ménage, hein. Ah non. Fait le ménage jusqu'au coffre, hein.
Quel plaisir de vous voir. Arrière, monstre. Elle a appelé monstre, c'est juste une flamme. Alors, jusque là, pas grand chose. Ah, et si là. Je crois que c'est bon ici. Il prend une gorge profonde. Bon, alors, je l'ai vue, elle est là. Ah, regarde si je la suis en plus, hein. Vous êtes loin de chez vous. Reposez-vous à présent. Pourquoi résistez-vous? Je vous offre la paix. Soyez fort, étranger. Partez, esprit. Venez, vous avez déjà fait face au danger. Je ne l'ai jamais vue attaquer aussi férocement. Que vous reproche-t-elle? Sa voix commande aux âmes perdues. Non. Je me demande si... Nécromancien, ok. Allez, on va le chase. Hop, hop. Ok. Ah. J'ai une belle atmère. Ouh. Signé Valrendil. Ah, ça me dit quelque chose ce prénom, ce blaze. En tout cas. Pourquoi fouillez-vous dans mes affaires? Ah, voici. Familière aussi. Je suis venu dans ce lieu saint pour apprendre, pas pour mais me battre avec des voleurs de seconde zone. C'est lui le gars des psychiques, non? Je vais signaler votre présence à Xijaitil. On a vu. Il ne tolérera pas que des vagabonds profanent ce site. Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre. Dites à la généreuse Xijaitil qu'elle n'a rien à craindre. Mon travail ne menace pas les Argoniens. C'est personnel. Le travail de plusieurs décennies. Et il se pourrait que... Ma femme. Je parle de ma femme. Comment elle s'appelle? Était... est le soleil de ma vie. Mon épouse vit. Elle a reçu la bénédiction d'une réincarnation argonienne, grâce à Lyst. Ok, je crois que je me trompe de boy. Parce que je crois que même sa femme, elle avait torturé ou quoi que ce soit. Caverne de Valrendil. Un voyageur. Bienvenue. Reposez-vous autant que vous voudrez devant notre feu. Voulez-vous à boire et à manger? Bien sûr que oui. Je ne ressemble pas à une belle noble haute elfe. Vous êtes du domaine? Il vous envoie arrêter mon époux pour désertion? Du... mon apparence? Vous... Je crois qu'elle m'a foutu dehors, j'aurais pas dû lui parler comme ça. Ça m'arrive de merder aussi dans le jeu.
son épouse. Il n'avait personne avec lui. Les légendes disent que les... J'ai toujours un... J'ai toujours un plan. Tant qu'il n'est pas foireux, je marche. Putain, elle a une portée là. Son faisceau, elle est one shot les machins. Voilà. L'artefact que vous devrez apporter. Vous aurez peut-être besoin de Val, si ce n'est pas lui. Ici. Ma femme m'a demandé de ne laisser entrer personne dans notre... Oh, mensonge. Elle m'a dit que vous diriez de telles choses. Elle a peut-être oublié certains détails. Vous ne connaissez rien du poids de la mort. Cela... Partez. Allons chacun notre chemin. Nous serons bien assez... Frère, je vais te cogner, tu vas voir. Bon, elle a déjà cogné tout le monde. Comment il gît sur le sol? Bon, en attendant le respawn, je me disais que j'avais des petits points. Ah, non, il m'en manque un, donc ça sert à rien. 9. Il m'en manque un, donc ça sert à rien. Ah, rien, rien. Alors, il y a un lourd de DGR, 4% pas mal. Ça veut dire 5 x 4, ça fait 20, donc ça peut augmenter de 20% les dégâts. On s'en fiche un peu. On s'en fiche ici. Peut-être là. Non, 3, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Bon, pas rien faire. On va quitter. Peut-être un petit respawn. Même pas. Peut-être si je sors, je re-rentre. Ah, todo bien, frère. Mon amour, vous avez ruiné notre vie commune. Réglé. Hop. Je pense que c'était la partie la plus expéditive de la mission. Vous avez réussi. Je suis venu. C'est une conclusion tragique, mais elle était prévisible. Tout comme le cycle lunaire. Alors, ça c'est réglé. On passe à la suite. C'est un donjon.
Ça, ça va être expédié. Alors, c'est vrai, j'ai pas de plan. Alors, tout est à gauche. Mauvais plan. C'est fermé. Évidemment, j'aurais dû me dire que c'était pas aussi si rapide que ça. Parce que surtout, tout est au même endroit. Il y a quelqu'un qui a déjà vidé les lieux. Parce que quand il y a autant de trucs, c'est rare. Stendhal sourit. Allez, donjon, il y a souvent du monde hein, qui passe dedans. Ça m'étonnerait qu'il reste des coffres. Faut vraiment qu'il soit bien caché, à mon avis. On prend ça. On prend tout, allez, hein. Bah, parce que c'est les couilles. Hein. Non plus le céleste. Bon, je pense que le boss il a dû se faire corriger déjà. De toute façon, un truc était là. Bon. On va attendre un peu. Alors, s'arracher maintenant. Alors je suppose que là le raccourci fonctionne. Alors, la suite. En plein bourbier. Allez, c'est parti. On va découvrir quel est ce bourbier. Soit les trois. Le domaine nous a envahis. Okay. Ces soldats terrorisent la population. Okay. Ils ne s'attendaient pas à avoir une Dunmer. C'est un fils d'esclave. Ok, je m'en fiche du reste de l'histoire. C'est leur vie personnelle, ça me regarde absolument pas. Alors, c'est pour les résidents. Étrange de faire ce qu'il faisait. Hein.
Allez. Voilà la fin du récit. Ok, ok. Je ne vous remercierai jamais assez. Ma gratitude éternelle. L'hélicoptère. Et voilà, c'est réglé. Je n'arrive pas à y croire. Libre. Alors, secourir. Attends, j'ai deux objectifs. Elle l'a incendié. Allez, trouvez. Bon allez, je te laisse, bye, oublie pas de regarder mon lien, je t'ai mis, ouais tu me l'as envoyé en DM hein, parce que j'ai pas vu dans le chat. Que lui ont-ils fait? Qu'est-il arrivé à mon mari? Yeah. Jared refuse de depuis que vous l'avez secouru, sa hutte est juste, j'aurais préféré ne jamais venir ici. Vas-y, à plus. C'est un fils d'esclave de Vardenfell. Cimera. Eh oui, il est argonien. Mais il est différent. On a démarré la quête, on y va. Alors. Ceux qui sont nés loin de l'East. Le domaine a clairement ciblé Jarit. Ça se... Ouais, l'histoire. Caverne de champignons. Ça porte bien son nom, hein. Bien, il y a que des dinosaures ici, hein. Ça me fait penser au récit de Jules Verne, le voyage au centre de la Terre. Non, pas du tout. C'est à gauche. Prendre le crâne avec lui. Voilà. Fait de la place le Wamasu. Voilà. On peut se tailler. Les lézards ils mangeaient pas que des champignons hein. Tout
est prêt pour la bénédiction. Il ne manque bien. La Lanciata Foliota va vous plonger dans un état proche du rêve. Ah putain, dans, et au pays des Argoniens, hein, je fais que de me défoncer. Hein. De Jarry. Je suis défoncé à la sève, aux champignons. Fouillez les souvenirs de Jarit. Trouvez les mots qu'il aurait fallu prononcer. Ah. Parce que quand je suis défoncé, je suis un Argonien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, hop. Hop. Finir de fade. Jarit, la différence a du bon. Je vous aime tellement. Vraiment? Je peux venir avec vous? Ils peuvent se reproduire entre espèces. Les souvenirs restent emmêlés. Cela affaiblit nos racines. Je me demande ce que ça donne, les mélangeants. Insoupçonné, hein. Un argot, une elfe, des bois. Je me demande ce que ça donne. Nous aurions dû t'envoyer au Marais Noir. Tu n'étais pas destiné à devenir esclave. Cytis nous a offert une grande. Alors je... Lorsque j'étais petite, pendant les nuits froides, je me blottissais près du feu de la grande salle de Castel Carac. Avec un bon livre, je m'endormais la tête sur les pages. C'est un peu l'équivalent des soirées Netflix, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Jarit, je vous ai vu parler à ma fille sans baisser la tête. Ah. Que je ne vous y reprenne plus. Ah. C'est le... ici que tu t'adresses à ton maître. C'est le... elle est... pose tes yeux une elle fois est à Thierry. Encore sur Fenn, et je te les arracherai. Espèce de sale petit... Ouh. Venez, retrouvez-moi sous liste. Il a dû la séduire avec sa voix, là. Venez, retournez-moi sous liste. La porte de la corruption, séparant le corps de l'esprit. La guérison ne peut être... Je suis une partie de Lyst. Celle que vous pouvez percevoir. Arrêtez, qu'arrête-t-il? Il entre dans le... Alors... où est-ce que je suis? Je suis dans une cave. Alors... détruisez l'intrus! Allons-y. Dague en cuprite ardente. Vous avez dormi longtemps. Ce n'est pas tout, pas vrai? Ah, ça claque. Même pas de trait. Bon, dommage. Chut, c'est triste. Deux mains, une main. La maison d'à côté, c'est un voisin. Ravi de constater que vous êtes réveillé. Ah, il y a une meuf derrière. Oui, merci. Maintenant que je peux sentir Lyst, la Sylvegard Falkzok veut m'enseigner l'art de la guérison. Fenn. Où que j'aille, je veux Fenn à mes côtés. Il est clair qu'elle n'est pas heureuse dans le marais, et moi, je n'étais pas heureux à Narcisse. En tant qu'ancienne esclave, la vie ne va pas être facile. Même avec l'aide de Fenn, je peux au mieux espérer devenir un ouvrier. Mais il y a sa famille, elle se languit d'eux, et je ne veux que son bonheur. Elle ne voudrait pas partir, et elle serait malheureuse. Mais une fois mon apprentissage terminé, nous pourrions partir ailleurs. Nous trouverions... j'ai toujours rêvé. Il y a une ressemblance, hein, quand même, hein. La couleur. Alors, ça c'est réglé.
le bourbier est désembourbé. Alors maintenant on va partir au sud. Prenez garde, voyageurs. De vilains pirates sont en vue. Vous n'êtes pas avec les pirates de Renrijra, n'est-ce pas? Selon les Renrijra. Croyez-le ou non, Barvin se trouve près. Parler d'un trésor, c'est bon, moi je suis chaud. Je suis déjà en route, hein. C'est le seul mot que j'ai lu dans tout le texte. Trésor. Vous le voulez? Ces pirates boivent pendant qu'ils creusent. Il était temps qu'ils trouvent... Ah, on est sur la même longueur d'onde. Allez, ça va casser le panier. Chaud patate quand on était sur un trésor. Tu vas où? Allez, hop. Se dresse devant nous. Suivez-moi. Ah ouais, je vais te suivre, t'inquiète pas. Ah, cassette, ouvrir. Sublime. C'est la pierre des sublimes ici, la pierre des sublimes bleues. Suivez-moi. Elle est vide la caisse. Ah. Ouh. La mine rouge. Suivez-moi. Ça les gars. Je suis venu vous dépouiller. J'espère que ça vous dérange pas. Suivez-moi. Attends, attends, mon insta me dit de fouiller ce coffre. Pas grand chose, hein. Blanc de poulet, bon, on prend la pierre de lune. Ça, on s'en tape. Allez, hop. Suivez-moi. Ah, voilà. Ah, bah. Ah, bah. Excellent. Vous avez trouvé les trois pierres sibyllines et après, liste nous a mené ici. Peut-être que, comme je le pensais, il semblait que j'en avais trouvé que deux, mais... Les pierres deviennent un seul objet d'anciennes. Apportez la clé. Les artefacts. Nous avons là un mystère à résoudre. Malédiction. Pourquoi refuse-t-elle de s'ouvrir? Je pense, mais c'est scellé magiquement. Ça me rappelle quelque chose... Bien sûr, je me rappelle des notes de ce violet. Je vous attendrai. Ouais. J'ai déjà trop attendu. J'entre. Attendez, n'entrez pas, arrêtez. Arrêtez, c'est dangereux. Mes notes, cette clé, j'ai deviné ce qui est enterré sous le Xandmir, et ça doit y rester. Barvin y est allé. Oh non, nous devons les laisser sceller dans le Xandmir, pour notre bien à tous. Nous devons arrêter Barvin avant qu'il ne trouve les Crotsitis. Une véritable plaie. Entre les mains de mes ancêtres, les crocs pouvaient détruire des villages entiers. Ils réduisaient les récoltes en cendres et transformaient les ennemis de mon peuple en horreurs mortes. Allez, on y va. On y va, on va chercher tout ça. Il m'a chauffé. Ça, c'est un vrai trésor. Arrêtez Barvin. J'entends le croc. Il m'appelle. Allez. Oh voilà. Je suis en train de mourir. Empoisonné. Juste là. No problème.
plus j'étais même pas sur la potion. Je pouvais rien faire. Oh, je suis passé normal. Allez hop. On est reparti. Non, pitié. Il a menti. Vous voulez le croc? Évidemment. Isabelle a fait flipper des fois. Le croc s'est insinué dans mon esprit. Qu'allez-vous faire? Il ronge mon esprit. Si je vous le donne, je vais devenir fou. Je mourrai. Allez. Tenez, prenez-le. Il n'y en a qu'un, je le jure. Je ne sais pas où est l'autre. C'est... Le croc s'est insinué dans mon esprit. Qu'allez-vous faire? Il va s'enfouir dans votre esprit comme dans le mien. Je n'ai qu'un croc et regardez ce qu'il m'a fait. Regardez donc. Je ne peux pas vivre de la sorte. Tuez-moi. Je vous en supplie. Tuez-moi. Tenez, prenez-le. Il n'y en a qu'un, je le... Je sais différemment. Le croc s'est insinué. Qu'allez-vous faire? Il ronge mon esprit. Si je... Il va s'enfouir dans votre esprit comme dans le mien. Vous ne comprenez pas? Si vous prenez le croc, je reste... C'est parti. Je suis libre. Allez hop. Avez-vous trouvé Barvin? Et les crocs? Avez-vous récupéré les crocs de Cytis? Donnez-moi le croc. Je possède un coffre spécial qui étouffera le sort. Ce qui est arrivé. Les pirates ont dû entrer dans les ruines. Cette porte qui mène aux Xandmir n'est pas scellée. Je suis prêt à parier que le tapage sur le... J'ai entendu. Hey yo, c'est Mikey. Content de vous voir. Mais upskip, vous non plus. Ah, le ménage a déjà été fait. Partie de plaisir. Ce bateau, tu as besoin de nous. Besoin? Je n'ai besoin. Si Cytis finira par nous réunir. Je pense qu'elle avait besoin de quelqu'un en vrai. Ça aurait pu l'aider, un petit équipage. Négatif. Vous avez survécu. List, je vous remercie. Et tous les Argoniens devraient en faire autant. Il aurait mieux. J'ai des doutes, ça m'inquiète. Mais pas autant que si les crocs tombaient en de mauvaises mains. Tenez, prenez le premier croc pendant que je réfléchis à ce qu'il faut en faire. Arrêtez. Plus un pas ou je vous abats. Arrêtez!
Vous ne savez pas ce que vous faites. Ces reliques appartiennent à la mère de la nuit. Nous avons senti leurs émanations à l'instant où vous les avez tirées de leur repos. Donnez-les, Charava, des écailles d'ombre. Les crocs de Citis ne doivent pas tomber aux mains d'un ignorant. Donnez-les. Je suis pas un ignorant. Les crocs étaient un cadeau du sombre époux pour la mère de la nuit. Un cadeau de Citis dont les crocs sont de puissantes reliques d'un autre. Elle a déjà sorti son. Ils dévoreront votre esprit. Elle a sorti son épée, hein. Ça veut dire qu'elle est prête à en découdre, hein. Ne contrariez pas les écailles d'ombre. Nous avons le bras long et la mémoire plus encore. Les crocs sont nôtres, par droit de naissance. Certes, ils sont dangereux. Mais la mère de la nuit nous protégera de son influence négative. Les écailles d'ombre veulent les crocs de Citis. Ils sont si nombreux. De plus, ils sont dangereux. Les crocs entre les mains d'assassins. Je n'imagine pas pire dénouement. Je ne sais pas. Mais même s'ils en sont capables, qu'est-ce que ça change? Les écailles d'ombre sont soumis à un entraînement mental, physique et spirituel rigoureux depuis leur plus jeune âge. Ils pourraient peut-être porter les crocs, mais cela ne les rendrait-il pas trop puissants? Je voulais garder pour moi les crocs, frère. Bon, nous allons probablement tous les deux mourir ici. Cela dit. Ah, qu'est-ce qu'on va mourir? Allez, on va rien mourir du tout. Ah. Être inférieur. Il existe un vide en vous. Je le trouve étrange. Essayez de me donner un nom. C'est essayer de maintenir le chaos dans votre main, mortel. Si cela peut vous aider à conserver votre santé mentale, imaginez-moi comme une minuscule partie de... Une sincère politesse. Voilà un agréable changement. Pourquoi? Ils sont déjà les champions de la mer de la nuit. Non, laissez-les se débrouiller seuls. Vous avez tiré les crocs de leur sommeil. Vous pouvez garder l'un, moi je prendrai l'autre. Voilà. Votre ami a mon cadeau en sa possession. Prenez-le et utilisez-le comme bon vous semble. J'ai du mal à croire que nous ayons survécu. Vous avez fait le bon choix, à mon avis. Dans cela, j'ignore ce que vous préparez, mais j'ai besoin d'une longue sieste réparatrice. Allez hop. Vite. Si main d'ag, ça va partir au rebut. Demain, les bâtons s'en foutent, ça c'est bon. Bon, on dirait que c'est réglé. Ah. Par ici. On va faire un transport rapide. Rapidamente. Bon, c'est un port, mais le bateau a l'air d'être plus séchoué qu'autre chose. Hein. Voilà, hop. Bah les pattes, si vous voulez les garder. Quoi? L'armure de ce prévôt est pour moi. Ah. Parce que c'est un... Non, j'y vais en premier. Et je me précipite comme si on faisait une course. Vous voyez, il y en a d'autres sur le bateau. Donc, hop. Hop. En fait, le bateau, il a échoué, ils ont transformé ça en ville. Intelligent. Bon sang, pourquoi diantre ai-je mis les pieds dans ce trou puant? Par devoir ou par stupidité? Parce que j'ai cru que des pirates s'inquiétaient du bien-être du pacte. La rumeur dit que le domaine... Ou peut-être que vous pourriez... Silence. Allez hop. C'est pas mon problème, mais on va régler ça rapidement. Le breton bardé. Par
Dark Zoot, ça fait 3 mois que je suis dans le marais, à chercher un trésor digne de ce nom. Je viens boire, pas d'ici. Un œil ne reçoit pas les inconnus de votre... Au combat! Je vois que vous ne plaisantez pas. Je ne prendrai pas de risques inconsidérés. Je me rends. Faites une taverne. Vous ne vous êtes pas présenté, étranger. Oh, je me fiche que vous soyez brave ou stupide. Mon temps est ce pleurnichard d'elfe noir. Il avait... Ce n'est qu'une usurpatrice. C'est Nilm. Tout le monde sait que je préfère que vous ne partiez pas avec. Je parlerai à un œil. Vous en avez? Oui. On est combien dans la caisse? Vous avez l'or? On ne travaille pas pour des promesses. C'est arrivé sur notre navire. Vous serez bientôt tous riches. Alors, on a vos marchandises. Armes, nourriture, boissons, médicaments et protection. Et que m'avez-vous apporté? Vous avez intérêt à... Bien sûr qu'il peut rester ici encore. Nous nous comprenons à... C'est une vraie baronne. Pas perdu son œil pour rien, hein. Vous avez entendu pas. Et vous croyez que c'est... C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de gros personnages, hein. Avec du bide et tout. Alors, on prend l'or. Le reste, on s'en tape. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Comment il m'a recalé, le bug. En fait, elle est bien vue. Bien vue. C'est raté, c'est raté. À moins que vous ayez... voilà qui est... Putain les bourrins. Putain les bourrins.
rien de Attendez un instant. Attendez un instant. Je ne viens pas vous défier. Vous êtes venu vous en parler. Nous ne l'avons pas. Moi, je pense que si je dois faire un personnage fort pour le J contre J, c'est un bail de foot comme ça là. Il est temps de nous mettre au travail, non? Le domaine apprendra bien vite la mort de Tsangji. Et alors ils décamperont avec leur trésor. Oui. Moi, vous devez faire. Nous sommes. Nous est. Pour parler. Ça m'intéresse, où est le trésor du domaine? Quel spectacle magnifique! Un œil a hâte d'y planter les griffes. Sajash s'en occupe. Vous avez déjà fort à faire avec un œil. Je prends des carottes, je sais pas pourquoi. Du porc. Oh non, non, c'est pas de porc! Il y avait un truc. Fallait que je visite là, c'était trop rapide pour qu'il y ait rien. Mais en fait, il y a rien. Allez hop. Ça va, j'ai enfilé la spoule, ça termine. Alors, c'est par ici. Sur gage, prévenez-moi. Je veux acheter un cadeau pour Aurélia. Ainsi la Kaji t'a dit vrai. J'étais dans une cabine. Je dois informer le vice-chanoine de cette situation. Il faudrait que j'aille rendre visite un jour le vice-chanoine. Ah. Alors encore 14 fois ISO et elle est au max. Au max du max. C'est un peu le bazar, mais ils sont sur le... Un œil veut me faire croire que vous avez débarrassé ce porc. Ne soyez pas si modeste. Voilà. C'est réglé. Voici votre héros, elle. Alors, maintenant, la direction à prendre, elle est légèrement au dehors, dans la même direction. Alors, hop, c'est pas mal, mais c'est ok. Je pense qu'on a le temps de faire ça.
que je vais prendre. Alors, elle est vraiment morte puisqu'il y a les mouches. Il n'y a personne. Mais personne de chez personne. Que des cadavres. Il n'y a même pas de mouche, pour le dire. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Alors, prospecteur, avez-vous apprécié de fourrager dans les ossements du hameau? Maintenant, vous voulez raconter des histoires. Très bien. Je vais vous en conter une de mon creux. Le domaine. Bon, ils m'ont pas drogué cette fois. Bon, presque tout pareil, hein. Avez-vous assisté? Il nous... Il me reste un peu de pouvoir. Il me reste un peu de pouvoir. Aurélia et moi allions souvent camper sur l'île. Alors, je pense que... La remonte... Pas les tuer, faut les calmer. Les esprits qui... Mon bâton ne peut en contenir que... Esprit de liste... Ressorte! Mon sang bout dans mes veines! Comment est-ce possible? Soot! Non! La chaleur... Liste hurle! Il souffre, et son tourment nous affecte. Vous ne... Il faut bouillir. Sont-ils... La grâce de Stendhal nous enveloppe. Pour la gloire de tous les côtés. Bougez-vous! Oh. C'est loin, celui-ci. J'ai du mal à sauter. Ah. Ce fut un beau combat. Comédie. Ah.
La folie se dissipe. Bien. Je ne crois pas s'ils interfèrent. Très bien. La dernière fois, le deux. Allez, bougez-vous! C'est tout, il était que deux. Notre rituel. Et voilà, ça c'est réglé. Alors je crois bien. Après, on peut partir vers ici là. Ah non, faire ça d'abord. Faire clac, clac. Allez, je le sens bien. Quel voyage j'ai accompli avec vous. Regardez autour de nous. Des cadavres et des marais. Des cadavres et des marais, nanana. Y a des cadavres et des marais, nanana. Que des cadavres et des marais, nanana. Ah, je sais pas avec qui elle est en train de se friter. Bien. Vous allez faire. Allez hop. Il reste plus de 13 ans. Je vais passer par là. Ok, attendez. Évidemment que c'est par là. Quelle direction ? Aidez-moi ! Je vous en hurle ! Prêtre, presque mort, c'est la fin. Vous êtes fort. Plus de sang bien. Bonhomme, tu vas te calmer tout de suite. Ah, si je brille comme ça, c'est que j'ai plus de poison. Bientôt plus.
vais quand même faire un truc. Ça va faire plaisir Iso. C'est... Ah. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est carré. C'est carrément réglé. Libérez-vous. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que je suis dans un donjon. Ça, je suis là. Donc ça me demande d'aller jusque là. Bon, allez. Comme ça, on va reprendre l'oratoire directement. On va peaufiner et après on en aura terminé avec ça. Prochain épisode, on fera la brèche et on devrait terminer toutes les stories. Pour en finir avec cet almanach. Salutations, voyageurs, par la barbe d'Arquet, c'est la pierre nous, sa dernière bénédiction. Et voilà. Apparemment. Je vais pas l'utiliser, hein. On dirait. Je suis pas à fond en plus, hein. C'est triste. Tellement triste. Alors, prochain objectif, je crois qu'il est par là. C'est de faire ça, ça. Et ça fait ça, ça, ça. Et après je prends un carré. Ça, 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 ça. Il en reste un là aussi et là. De toute façon, il va falloir se lancer. Je vais faire passer par là. Alors. C'est parti. Les gens. Il n'y a pas de mission. Donc je pense que ça, il faudra résoudre un autre problème technique avant pour pouvoir le réaliser. Ça, c'est là maintenant. Il y a quelque chose.
là. Les drogues sont agites. Oui, c'est Pierre. C'est parti. Juste agité, mais je suis l'ami des drugs. Pour le moment. Restez sur vos gardes. Allez. Niorlo. Ah, je suis bloqué par le feu. Luck. Shol, attends, je vais remarquer Shol Zeluck Moche. 1, 2, 3. Parce que ça sent le casse-tête à plein nez. Qu'est-ce qu'il a lui à m'agresser, ouais. C'est l'ami des drugs, Pag. Il a fait un sprint vers moi. Vous êtes malade ? Quoi ? Nous avons pour instruction de protéger les reliquaires. Déplacer les reliques, prendre les reliques ne fera qu'enrager les drogues. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ouais, je les remets pas en place. Les effrises. On va jusqu'au bout là. Hein. Ouais, là ils sont tout rouges. Hein. Il en fait des éclairs, lui. Voilà la fin du récit. Je pense que son père, il m'a doublé. Ah, il envoie tous des éclairs. Elle attaque salement quand même, hein, avec toutes ses pattes là.
pas passer loin. Oh, quelle chance. Stendhal doit veiller sur vous. J'ai cliqué sur tout ce que je voulais, et sur tout ce que je voulais, surtout sur ce que je voulais. J'ai du mal à le dire celui-là. Ouais. Putain les gars, qu'est-ce que là. Bon, je sais pas d'où il me les lance, ces boules de feu, mais il les lance, hein. Ils ont de la portée. Loué soit lisse, l'odeur de la... Nous devons arriver. Placez la literie. Je me suis senti agressé. Normal. La graine est... doublé par son daron. Ah. J'ai oublié Iso, elle est occupée là-haut. Trace du cadavre. Visiblement si en fait. Tout. Ok. Les vents. Les drogues sont de nobles. Je crois que c'est réglé pour ici. Voilà. Alors il nous reste plus qu'à faire clac clac. Je pense qu'on peut le faire rapidement en plus. Alors on est parti par là. Si on peut sortir bien évidemment. Alors, on n'est pas loin, je vais toucher la terre. C'était une bien triste... Ce trou... Il est en colère. Ah oui. Le schisme. Désolé, mais si Myarin, ses frères vous ont lancé là-dedans. C'est moi. Bon, esprit entre aux... dans elle une guerre d'interprétation. En plus, ce n'est pas. Allez hop. On va régler ça en deux. Les ennemis de la guerre.
Hélicoptère. Alors, il y a un petit truc là. Ensuite, par là. Oh, vous n'êtes pas un gobelin. Voilà, ensuite on continue. Qui êtes-vous? Ils doivent. Pour quel... S'il vous plaît, je vais vous dire ce que je... Alors, c'est pas très loin, c'est juste à l'autre bout. Voilà, vous allez tomber, je pense. Un peu plus loin. Allez, de là. Ah. J'ai raté deux fois quand même, hein. Je vous entends là-haut. Descendez m'aider. Je me suis douté que... Malmené. Alors, hop. On est reparti. Non, je suis désolé Iso, parce que là ça va être une galère avec toi. Je suis obligé de le faire solo. Ça va aller plus vite. On n'a pas 10 ans à faire. On les a déjà tous décimés les pauvres. Voilà. Voilà. Quel combat? Ah ouais, d'accord. Donc. Je vous suis. Sortons d'ici. C'est parti. On va essayer de boucler ça vite, encore 10 minutes.
Vite, donnez-moi. Je ne sais pas, mais je dois essayer. Si nous les réduisons en esclavage, alors que valons-nous? Ça ne concerne pas que les gobelins, mais aussi ce que nous voulons que le pacte soit. Que la pluie ruisselle. Bon débarras, Tagnar Gaspier. Vers la liberté. J'ai du mal à croire que vous ayez pris parti pour ce lâche. Allez pourrir dans votre trou, ami des gobelins. Le pacte se passe très bien des pieds gelés comme vous. Ah, quel rageux. Vous étiez à Port Zerel. Sous ces réfugiés. Heureusement, vous étiez là. Mon frère. Parlez vite. Ça, c'est réglé. Alors, est-ce que je suis dans la carte? Alors, il reste ça. Le donjon. Et partir là. Ça, c'est la story, donc je pense qu'on va le faire plus tard. Je pense que ce qu'on va faire, c'est partir vers là. On va voir si on peut faire ça en une dizaine de minutes. Après, on fera le donjon et on s'arrêtera là. La prochaine fois, on fera que les stories là. On commencera par le donjon là de Fangeombre. Et après, on fera que les stories de Fangeombre. Allez. C'est parti. Quelle horreur! Des crocodiles. Il fut un temps. C'est quoi ça? Halt! Qui êtes-vous? Je suis Garrett, d'Inondel. Nos éclaireurs vous ont... Le village d'Inondel est... Plus aucun espoir pour notre peuple. D'autres eaux à entasser! Il a pris une double, le pauvre. Qu'on en finisse. Je suis spécialiste. Si vous refusez de vous prosterner, vous mourrez. Bonne qualité, ça. C'est comme si on venait de pécho. Les étrangers sont synonymes de grabuge. Je me demande de quoi vous êtes synonyme. Je ne sais même pas si vous êtes capable de saigner. Thank you.
Le messager du chef. Wow. N'ayez crainte. Avant la maladie. La nuit de... Oui, plus facile à dire qu'à faire. Il y a des décennies. La vie éternelle est pleine d'avantages. Cet idiot pense que des adeptes du verre pourraient corrompre les fiers guerriers. Nous ne mourrons. Dommage que vous soyez. Frappez plus haut. Mon cœur. Allez plus haut. Allez plus loin. Je connais pas le reste des paroles par contre. Hein. La chapelle odieuse. C'est moche. Hein. On dirait un groupe avec des ailes et des cornes. Et une dysplasie. Vous apportez à présent ? Quelle belle attention ! Mais je ne peux l'accepter sans réciproque. Je sais, je vais partager le même présent que j'ai offert à Inondel. Maintenant, vous pouvez jouer à Ragnar Guichet avec votre crâne. Voilà, hop. Le chaman chi. J'espère que vous avez toujours en vie. Vous pensiez que je renoncerais si facilement à ce trésor? Pas d'Orelena. Pas d'Orelena. Alors hop. Allez, la chouloum. Ah ben, je suis pas sûr de kiffer ce que j'entends. Des conseils. Le chaman Chirap leur préserve. Il y a une salle au fond des ruines d'Edric où se trouvent deux brasiers éternels. Il faut le reconnaître, c'est le chaman Chira qui a découvert leur fonctionnement. Vous ne pouvez pas près du feu de la grande salle de Castelcarac. C'est un tourment avec éternel. Un bon livre, je m'endormais la tête sur les pages. Mes acolytes ne vous laisseront pas nous condamner à la vie. Ok. Tiens, courant le bouquin. Le chef de guerre à l'étranger. La chapelle odieuse. Ça sent le truc occulte. C'est à gauche. Stendhal nous protège du mal. Ah. Vous ne pouvez pas nous condamner à la vie. Je suis plat. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est détruire, toc. Poisson, détruire, toc.
toc. Point femme, nanana. Toc, toc, toc. Alors, on dirait que je suis plein. Truc inutile, mais. Ah, tiens. Détruire les carottes. Détruire le modelage. Mais bon, là on est pas mal, on doit avoir un peu de place au moins pour le boss. Allez. Bah, c'est pas grand chose. Détruisez l'éventail de pierres d'âmes et libérez-nous de ce tourment! Bien sûr, de quoi vouliez-vous parler? Elle est pas en squelette, elle. Vous avez senti la vraie splendeur du présent que j'ai remis à Inondel. Qu'avez-vous donc à leur offrir? Préserver leur existence ou y mettre fin à jamais? Que décidez-vous? Sans doute le plus ennuyeux des deux. Douille son cœur. Vous voulez détruire tous les habitants d'Inondel, malgré tous ceux qui souhaitent demeurer tels qu'ils sont? Tout cela pour mettre fin à une maladie qui ne les affecte plus? À présent, partez. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. C'était vraiment le choix digne de Matrix. La pilule rouge ou la pilule bleue? C'en est terminé. Vous avez fait le choix auquel nous ne pouvions. Enfin, vous nous avez libérés de cette misérable existence qu'était la nôtre. Ce n'était pas une vie, mais une véritable malédiction. C'est sûr, ce qu'il est vivant. Je sens. Ok, intéressant. Au moins, c'est réglé. On va voir ça. Cadavérique polymorphe. Oh non. Le froid. Curateur mécanique. Ok. Je sais que je peux me transformer en squelette. Alors maintenant, dernière étape avant la fin. On va essayer de le faire rapidement. Hein, parce que je crois que on a dépassé. On est sur 5 minutes de dépassement. On va essayer de le faire en moins de 10. Et comme il n'y a pas de oratoire à proximité, je suis obligé de cavaler.
C'est par là, c'est par là. Je suis full encore. Ça va, j'ai 3 places, ça devrait le faire. Ah, l'entrée elle est là, non. C'était pas du tout ce que je voulais voir. Voilà, le petit chemin, donc on va... Détale. On dirait qu'il n'y a personne, c'est parfait. Ah, il y a quelqu'un. C'est réglé, on y va. La chance, il y avait déjà quelqu'un sur le lieu. Dios míos. Vas-y. Alors, toc. Les boss. C'est réglé. Je trouve qu'on est plutôt doué. L'éclat céleste. Et on est... tout bon. Et voilà. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. On aura bien avancé. Hein, vraiment. Donc la prochaine fois, on va passer directement. Enfin, on va faire les missions locales de Fangeombre avec le donjon. On va commencer le donjon, mission locale hein, de la story. Et on pourra enfin s'adonner à la brèche pour pouvoir en terminer avec l'almanach de Caldwell. Hein. C'est une quête qui traîne depuis un moment, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on fera d'abord le donjon, et puis voilà. Donc, Fort Tempête. Alors, moi je vais faire un détour par Vanderfell, comme d'habitude, hein, pour faire mes affaires. Et moi je vais vous laisser là. Sur ce, hein, les gens, je vous dis à la prochaine. Hein, c'était Mikey dans le 35e épisode. N'oubliez hein, pas mes requêtes habituelles, hein, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à partager les vidéos ou venir faire vos raids sur la chaîne. Hein, merci à ceux qui le font, c'est grâce à vous si la chaîne peut croître et continue de croître jusqu'à aujourd'hui. Hein, n'hésitez pas à profiter des espaces commentaires, notamment du chat Twitch Live, hein, comme Axala, hein, pour venir me faire un petit coup ou échanger avec moi. Y a pas de soucis, même si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas. Ensuite, il y a une petite dernière requête, hein, c'est pour tous ceux qui sont sur YouTube, hein, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, un like, un j'aime, un j'adore, même s'il n'y a que Dieu que l'on adore. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Hein, c'était Mikey, 35e épisode, rendez-vous au 36e épisode. Hein, je vous rends l'antenne à ciao ou trop. Je tabasse le beat tel pack à souris. Je détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. Un pro de la manette, j'étais comme dans la tête. Flow sans la tête, je suis l'ermite pas net.